Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Vous pouvez voir ce toit d'une couleur absolument sublime et parfaitement adaptée à une maison. Et donc là, vous voyez que je me suis trompé ici, donc il faut que je détruise ce mur-ci. Et donc je crois que c'est ce mur-ci que j'avais choisi. Je dois bien vous dire que je ne m'en rappelle déjà plus. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc La Vieille Ville continue à commencer à de prendre forme. Oui, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Voilà, ça y est, maintenant on n'a plus de pain. C'est vraiment pas facile d'arriver à trouver l'optimum entre avoir trop de farine partout et ne plus rien avoir du tout pour faire de la nourriture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est notre habituel ramassage de pommes et de poires. Et donc comme ça, on va réussir. Ah là 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 là, Clifton est parti parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Et Clifton, il était niveau 12. Ça, ça pique. 1, 2, 3, 4, 4. J'en avais 5 à un moment. Effectivement, 5 x 5, 25. Donc je peux avoir jusqu'à 5 héros. Bon, par contre, le problème, c'est que... Eh bien, bah, je pense que je vais me laisser envahir par la farine plutôt que de risquer de perdre des héros et des vitoyens, en fait. Hein. On va faire ça, on va se faire envahir de farine. Parce que là, déjà, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de fruits. Alors, Clifton est parti, mais il est resté. C'est ça, attendez, il faut que je regarde le journal. Pause, s'il vous plaît. Clifton Mary est parti, mais il est toujours là. D'accord, c'est très logique. C'est extrêmement logique. Clifton est parti, mais Clifton est toujours là. Donc voilà, vous avez... j'ai un héros qui est là, mais qui n'est pas là. C'est toujours très pratique et très simple à savoir et à comprendre. Donc effectivement, maintenant que j'ai 20 vitoyens plus 5 héros, ça fait 25... Vous savez qu'il va peut-être effectivement falloir que je demande d'avoir un peu plus de pain en tout temps. Et donc pour ça, on va demander d'avoir toujours ces 8-10 morceaux de blé qui sont récupérés. Comme ça, normalement, ça devrait être un peu mieux. Alors, Froggy est décédé, Clifton Mary. Ah, j'ai pas réussi à voir sinon, c'est pas lui. Thomas... Bjorn, je n'ai pas vu son nom, pause. Thomas, un héros par ici. Earl, Bjorn, Terowin, Thomas, Earl, non, donc Clifton est bien parti. C'est juste qu'il est parti mais qu'il a encore tué quelques personnes sur le voyage. Donc Thomas, qui vient d'arriver et que nous avons déjà perdu. Enfin, il est pas mort, c'est juste que je l'ai perdu où il était. Non, pas Thomas, Terowin. Il y a déjà plus de fruits ici. Et c'est terrible. Bienvenue dans la grande famine de la Véville du mois de mars. Du mois numéro 3, c'est déjà la famine dans la Véville. C'est toujours très pratique et... Très pratique, non pas du tout, c'est très pratique et sympathique. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Eh bien, on va les laisser explorer tout ça un petit peu. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a de plus à faire? Là, il n'y a pas grand-chose. Alors là, pourquoi c'est pas... Pourquoi il n'y a pas de toit ici? Alors ça, c'est pas très logique. Pourquoi il n'y a pas de toit alors qu'il est complètement fermé? C'est pas grave, on ne va pas s'en inquiéter. Ça doit pas être bien grave. Donc niveau nourriture, où est-ce qu'on en est arrivé? On est toujours un petit peu pas facile. Hein. Parce que là, il n'y a pas de farine. Et là, il n'y a pas de farine. Il va sûrement falloir un petit moment avant que ça se stabilise au niveau de la nourriture.
mais ça continue à avancer un petit peu à cet endroit-ci. Ici, j'ai plein de trucs, plein de machins et plein de bidules. Là, on va sûrement manquer de cailloux dans pas très longtemps. Donc, on va prévoir la demande de cailloux. Alors, eux, s'ils pouvaient se mettre à explorer un petit peu, donc soit par ici, soit par là. Tu pouvais laisser ton copain Terowin taper histoire qu'il monte un petit peu de niveau, ça serait bien, Thomas. Hein? Parce que Terowin, il est un peu faible. Niveau 7, il est un peu gros faible. Niveau 8, c'est mieux. Donc déjà, voilà. Dans pas longtemps, je pense que... Je pense que dans pas si longtemps que ça, on va commencer à réfléchir au niveau inférieur et on va voir ici déjà ce qu'on va... On va déjà préparer le... Non, on va préparer le terrain ici. Si j'y arrive. Voilà. Nous allons préparer ici. Et nous allons faire un petit trou là. Vous allez voir que... Non, on va pas le faire ici. On va plutôt le faire là. Et là. Et vous allez voir qu'aucun des deux trous ne va déboucher nulle part... nulle part d'intéressant. Ça, c'est gagné à coup sûr. Mais bon, on va bien voir. Hein, avec un peu de chance... avec un peu de chance, on aura un peu de chance. Oui, ça veut rien dire non plus. Mais c'est pas grave. Là, ça avance. Effectivement, si je leur demande de casser du caillou... Ouah, ils sont 20, ils peuvent faire l'effort quand même. Je peux les transformer un petit peu en bagnards. Sauf s'ils galèrent de la nourriture. Ouais, ils galèrent quand même un peu de la nourriture. Tant qu'il en reste un petit peu, ça va. C'est quand il en reste plus ou c'est... c'est pas très facile, mais bon. Là, c'est pas facile. Donc. Alors ça, bien sûr, ça s'est pas rempli du tout. On va bien voir ce que ça va donner. Ah oui, là, il y a... Ouais, non, là, ils récoltent. Là, ils récoltent aussi. C'est pas mal, hein. Allez hop, un peu de farine, donc un peu de pain. Ah, j'aurais pensé quand même que ça aurait été plus vite de restocker de la farine de partout. Bon, là au moins ils ont des fruits à manger, c'est déjà ça. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font? Toujours rien. Là, toujours rien. Pourtant ici j'aurais fait leur petite descente accélérée. Ah bah si, ils continuent à visiter par là. C'est une idée. Ah bah dis donc, Bjorn. One shot quasiment les ennemis qu'il ou elle tire dessus. C'est quand même pas mal. Moi j'aime plutôt la blague. Ah mais bien, il ou elle va bientôt être niveau 20, donc ça va devenir intéressant. Vous voyez, ça va quand même super vite, hein. Deux coups pour déboîter ce genre de truc. Moi, je trouve ça très impressionnant. Bon, après, c'est pas très optimisé de tirer à l'arc au contact, mais bon. C'est pas grave. Ça se fait quand même bien, apparemment, hein. Une petite salle de plus d'explorer, et donc maintenant il y a connexion entre ces deux-là. Ça aurait été vachement plus facile s'il avait déjà fait directement la connexion entre les deux. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'ici ça boucle vers là, donc lui il visite ici. Donc ça va se connecter ici. Enfin, s'il va visiter jusque-là, ce qui n'est pas gagné non plus. Allez, Thomas. Va visiter en bas. Hop, hop, hop. Allez, 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 les petits héros, on se dépêche, on va visiter vers le bas. Hein. Ou alors les deux autres vont visiter vers le haut, hein, au choix. En fait, tout le monde s'en fout d'aller visiter par là, quoi. C'est vraiment magique.
Donc là, une fois qu'on va avoir visité ça, je pense qu'on peut dire qu'on a visité la moitié de la carte. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. La visite ici, ici, là, là. Ici, là. Allez. Allez, là. Non, pas envie. Bon, bah c'est pas grave. Il y en a bien un qui va le faire au bout d'un moment ou un autre. Alors, ici, d'accord. Là, c'est la fin, ici. Donc ça, c'est la fin, ça, c'est la fin. Donc toute cette partie-là basse est finie. Donc il reste à explorer ça. Ici, si une fois que ça va être connecté ici, on va avoir vu sûrement toute une partie du donjon. Effectivement, ça va pas être si mal que ça. Alors ici, continue à faire les bagnards. Oui. Bon. Comme à chaque fois que je leur demande de la pierre, je révise la taille de la carrière à chaque fois. Alors ici, on a énormément de cuivre. Il va falloir que je fasse quelque chose du cuivre. Je peux pas faire un truc complètement inutile avec mon cuivre. Alors, non, de l'or, ça on n'a pas. De l'argent, de l'or. Non, je ne peux pas faire de rien de complètement inutile avec mon cuivre. Je suis déçu. J'aurais bien aimé faire des trucs complètement inutiles avec mon cuivre. Donc là, eux, ils vont finir de taper les trois cailloux qui restent. Alors, pourquoi lui, il a son... Ah oui, il a dû la récupérer d'un héros quelque part. Muriel Pipery, elle a dû récupérer ça d'un héros quelque part. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant ils vont pouvoir aller se concentrer ici. Ah bah si, 1 sur 2, c'est pas mal. Je dis là c'est pas... Ah presque. Franchement, à 3 blocs près. T'abuses, Björn de Beauchamp. Ici c'est pas mal, donc on a l'accès à l'étage numéro 5 du donjon. Ça va être pour la prochaine fois. On va avoir l'occasion de visiter, enfin pour la prochaine fois, un petit peu plus que pour la prochaine fois d'ailleurs, puisque là j'aimerais bien qu'ils finissent de visiter. En fait non, il reste plus que ça à visiter, après ici ça continue pas. Après, il va falloir qu'ils se mettent à visiter par ici. Hein. De toute manière, sinon ça sert à rien de continuer à visiter là. Hein. Ils ont tué tous les mobs. Il reste un mob ici. Et c'est tout. Je sais pas s'il y a un héros qui est en train d'aller le voir. Voilà. Nous allons suivre les aventures de Thomas, de Terowin. Thomas Terowin. Terowin Feu. Allez, Terowin. Il va avancer ici, vous allez voir qu'il va descendre là, et puis il va descendre là, il va foutre 3 coups de poing au Green Slime. Et le Green Slime va lamentablement crever. Et on va être tranquille pour ça. Ah, non, il y avait aussi un Red Slime, j'admets. Il n'y avait pas que ça. Et voilà, donc ils ont fini d'explorer tout ça. Ce qui ne va sûrement pas les empêcher de continuer à partir là-dedans pour rien. Ou non, ils sont un peu intelligents, et nous avons Thomas, qui est en train de visiter, eh bien, un peu ailleurs. Et ça, c'est très bien, parce que là, avec un côté qu'on avait ouvert, on a visité 50% du donjon. Là, c'est fait à 50%. On va visiter les 50 autres pourcents. Donc là, je ne sais pas, en fait, si on va les visiter vraiment, ou si on va les visiter en très accéléré. Où je vais les visiter et je vous ferai une sélection des moments forts, ou si je vais les visiter complètement hors caméra et qu'on se reprenne eh bien juste après quand on va commencer le niveau 5. Mais ça reste encore à voir, et j'ai pas encore vraiment décidé ce que je vais faire sur la suite, mais ça va venir assez bientôt, puisque là maintenant on a visité quasiment l'intégralité de ce donjon-là. Donc bah forcément, une fois qu'on a visité un étage, on descend à l'étage d'en dessous et on le visite. On en est où de la nourriture, là? Ah, c'est quand même juste, hein. Au niveau du picking du blé, ouais, on est...
Et quand même juste, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en pause et on va demander à tout le monde de s'auto-équiper si j'arrive à les sélectionner. Bon, j'arrive pas. Suivant. Non, on va d'abord faire ceux qui n'ont pas d'équipement du tout. Donc, on va aller chercher donc lui, mais que je n'arrive pas à sélectionner. Ah, mais c'est pas possible. Mais. Ah, voilà. Auto-équipé. Alors, lui est équipé. Là, il y a personne. Auto-équipé. Lui, c'est un héros. Auto-équipé. Là, il y a personne. Étage en dessous. Bon, de toute manière, avec tout ce que j'ai. Enfin, avec le peu que j'ai percé ici, il y a personne. Auto-équipé. Et bon, maintenant on va les passer un par un. Il y en a un par ici. Allez, auto-équipe-toi. Toi, tu n'as... Ah oui, toi je t'ai déjà dit. Bon, on va faire une passe sur ceux qui ont l'air de n'avoir que du bois. Voilà. Donc là, parce que j'ai quand même pas mal de trucs qui ont l'air un peu mieux que... Que soit ceux qu'ils ont là, ou soit qu'ils sont que des trucs pourris, quoi. Ah oui, c'est un peu le bazar ici quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Terowin, là? Mais, bon, bah nous avons perdu un héros. Vous avez assisté à la mort de Terowin en direct. Oui, je détruis tous les corps, puisque c'est trop énervant après, enfin, comme je le dis à chaque fois. Ah, Sips! Nous avons le héros Sips. Alors, je vais mettre en pause pour ceux qui ne connaissent pas. Sips, c'est un... Comment c'est un YouTuber, vous pouvez chercher sur Internet, c'est Yogscast Sips. J'ai oublié de mettre le lien dans la description, je vous préviens déjà. Et c'est un des premiers à avoir fait une très grosse série sur Towns. Et donc c'est assez marrant. Je ne pensais pas que je remplissais les conditions pour l'avoir pourtant. Donc bien, nous avons Sips. Nous avons le héros Sips. Bon, pourquoi pas. Et effectivement, si vous regardez sur sa page YouTube, il ressemble à peu près d'ailleurs à la tête qu'il a. Ah, bah voilà, il a deux fois attaque aura. Oui, bon, pourquoi pas. Crippling aura, critical shot, ça c'est pas mal, le coup critique est... Et très honnêtement, très 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 viable dans ce... Pensez au 1, 2, 3, 4... Donc j'ai 4 héros. Donc c'est très bien, ça avance. Comme vous voyez, les héros sont quand même plutôt interchangeables, hein, ils atteignent le niveau 11 quand même assez vite. C'est vrai qu'après, ils tendent à galérer à continuer à monter de niveau, hein. Mais c'est pas mal, le niveau 11 est déjà bien, puisque niveau 11, ils ont la plupart du temps deux capacités. Et ça commence à devenir très intéressant pour les héros et pour l'exploration. Donc voilà, on continue un petit peu l'exploration de tout ça. Et pour vous renseigner sur le jeu, hein, n'hésitez pas à aller regarder le wiki de Towns. Il y a vraiment un nombre d'informations... très 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 important dedans et ça aide vraiment beaucoup en cas de quand on se pose des petites questions où on n'a pas forcément la réponse. Et c'est vraiment très bien, et merci beaucoup à tous les conseils que vous me donnez et tout, ça fait toujours vraiment ça je vous l'avais déjà dit il y a quelques épisodes, ça fait vraiment très plaisir d'avoir des retours et du feedback d'un peu tout le monde en même temps que tourner la série. Et donc voilà, je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Ah, je vous souhaite une... Enfin, ce soir. Oui, parce que moi, c'est le soir quand je tourne, mais je sais pas si c'est le soir chez vous, donc... bonne soirée si c'est le soir, sinon bonne journée ou bon matin si vous regardez ça en vous levant le matin. Ce qui ferait aussi assez plaisir, je dois bien vous dire. Et donc à très bientôt pour un nouvel épisode de La Véville. Au revoir.